C'est vrai qu'on s'est changé tous les deux, enfin on s'est ravitaillés tous les deux à peu près dans les mêmes temps et après on est ressortis ensemble. Et peut-être que je suis ressorti, j'étais un peu plus frais, enfin, je me suis senti un peu plus frais. Moi j'ai continué sur mon rythme et Quentin, je pense qu'il avait, à ce moment-là, il a eu un petit moment de dur et bon, je l'ai senti, j'en ai profité pour un petit peu accélérer et puis j'ai pris le large. Et puis ben après, moi, ça a été à mon tour dans la dernière partie de l'Aigle Morte jusqu'ici où j'ai un peu souffert à cause de la boue et j'avais une grosse contracture au quadriceps. Donc Quentin m'est revenu dessus, mais j'avais 4 minutes que j'avais pris d'avance au bac et voilà. Quentin aujourd'hui réalise aussi une superbe performance. Donc quoi, il faut bien battre sur la plage, j'étais vraiment pas bien. Hein. Vous me disiez, ça va être compliqué d'aller au bout. Et puis, c'est incroyable les ressources qu'on peut avoir. Quentin, bravo. Tu as déjà fait un podium sur ce raid. Ex-écho avec Monsieur Chabot, c'est une référence. Ah ouais, je suis super fier aujourd'hui. C'est une belle journée. C'est lui qui gagne puisque on bat, il est passé avant toi. Il est arrivé 4 minutes avant et on est parti ensemble.